Salut à tous, salut Alex. Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de gameplay sur Outbreak, qu'on va appeler File 1. Et donc comme vous l'avez deviné, eh ben on joue à Outbreak en version online en 2020. Voilà. Après une configuration très hasardeuse. Alors, vous Très pourrez compliqué. très certainement voir que ça rame un petit peu, bah c'est dû à la configuration, mais ça rame pas tout le temps, surtout quand il y a beaucoup de zombies à afficher. Alors je prends le spray qui est ici, tu prends celui Voilà, qui est au niveau des d'accord. chiottes. Je prends les clés. Alors prends les clés. Alors moi je vais essayer d'aller pousser le tonneau à l'entrée. Et bien fait donc. Et donc Alors après, tu veux que je me dirige vers les WC pour le spray. Vers les WC pour le spray qui est en dehors. Voilà. Et après que t'ailles ouvrir la porte tout simplement. Voilà. Donc là j'ai mis le tonneau devant la porte, normalement ils pourront pas rentrer. Donc là, on joue en mode easy, hein, parce que ben on redécouvre le jeu, ça fait un Oui, certain temps rassure-moi, oui, t'as bien mis qu'on le l'a mode fait. easy, hein. Oui. T'as ouvert la porte? Yes! Eh ben, on peut y aller alors. Parce qu'après une bonne vingtaine d'années, ben, faut pouvoir se replonger dans le titre, Non, pas ce qui une n'est vingtaine pas d'années, une exactement. quinzaine d'années. On est plutôt sur une Ouais, quinzaine d'années. je suis un peu marseillais. 2003 ou Parce 2005, je ne sais plus. ne joue pas exactement comme un épisode classique, on va dire. Alors moi je t'aurais dit qu'il jouait justement comme un épisode classique, mais Ah oui, au niveau des contrôles, mais sinon il y a beaucoup de coopération. Voilà, il y a un peu moins de recherche, il y a plus, faut un peu plus esquiver, runner. alors on voit que c'était vachement inutile en fait de mettre les tonneaux parce qu'ils arrivent quand même à ouvrir la porte. Ils arrivent à ouvrir. Alors, Et ça s'est déclenché genre au même moment, hein, je que laisse la d'habitude. cinématique parce que j'ai envie de voir ce que ça fait avec les tonneaux. S'il y a un changement. Ils ont l'air de galérer un peu plus, mais Ouais, bon, si c'est juste dans la cinématique, ça va pas nous voilà. avancer vraiment. Il n'y a peut-être que 3 qui rentrent. Ah, il bouffe. Oui, bah oui, il bouffe le mec comme normalement. Et genre, le mec, il pouvait pas reculer là. Alors par contre, ça fait peut-être partie des objectifs de fin de mission en fait, de placer ces tonneaux, j'imagine. Oh, bah oui. Mais en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Ah, peut-être qu'ils seront un petit peu moins nombreux À au voir. moment Mais de où ils toute nous façon, suivront. à partir du moment où on arrive sur le toit, ils te suivent plus parce qu'on ne va pas ouvrir un panneau qui les empêche de passer en fait. Normalement, le panneau là, tu es censé l'ouvrir si tu veux que le coéquipier de Marc te suive en haut. D'accord. T'as un espèce de panneau en ferraille qu'il faut lever. Par contre, moi je suis pas rentré dans la bonne salle pour la récupérer le Alors moi, je suis en train de l'espèce de récupérer la tuyau clé. mécanique. Ah. Ah, par contre, j'arrive pas à récupérer les clés. Voilà. Je vais récupérer les clés. Oh, purée. Là, il y a un zombie qui est debout, bien sûr, du coup. Bon, je commence à aller à l'étage. Oh, purée, il m'a suivi là, quoi. Oh, le petit con. Alors, oui. Alors, j'allais expliquer un peu ce qui se passe moi à mon écran, mais en fait, les gens ne le voient pas. Donc, c'est vrai qu'il y avait un taux de contamination dans le jeu. C'était plutôt sympa. Où on pouvait se transformer à terme en zombie si ce taux était trop élevé. Alors, Et. il augmente quoi qu'il arrive, et dès que tu te fais toucher, il augmente un grand coup. Et par exemple, si tu es blessé vraiment gravement, que tu es en train de ramper au sol, ça augmente à une vitesse incroyable. Et donc le spray, si je dis pas de bêtises, ne peut pas pallier à ça. Il faut Ah trouver des non. petites pilules Alors, tu as un antivirus dedans, par antivirus. contre. Voilà, c'est ça. Tu as des pilules antivirus. Ouais. Et tu parlais des objectifs de mission. Mais il y a aussi, par exemple, tu dois finir le jeu en ayant un journal dans ton inventaire, par exemple. Un morceau de journal dans ton Oui, inventaire. d'accord. Tu peux jamais finir tous les objectifs de mission tout seul, hein. D'accord. En une fois, je veux dire. Voilà, bah là, tu peux me suivre, hein. Tu peux me suivre. Pas besoin d'aller dans la pièce. Moi, je vais juste récupérer, voilà, le petit truc en métal qui est ici. Et je ne peux Alors, il y a un pas. zombie Alors qui va attends, débarquer. je laisse une herbe si ça t'intéresse là. Bah, j'ai déjà l'inventaire plein avec un spray, donc Ok. Bah au pire, je vais juste, faire t'as l'impasse. juste à me protéger. Moi j'utilise la clé. Et après il y aura juste à aller à l'échelle là qui est le long du meuble. Voilà.
Alors j'ai la tête dans ton cul. Exactement, très belle image. On a, au moins c'est rassurant, on a la même chose de chaque côté, donc déjà ça c'est intéressant. Il a dit merci beaucoup, donc a priori ça lui a plu. Ah, puis maintenant on échange de... Ouais, voilà, de on place. Échange. Et d'ailleurs, il y avait des... Je crois qu'on pouvait se donner des ordres avec le joystick droit. Oui. Exact. Voilà, enfin donner des ordres ou en tout cas communiquer, donc merci, en avant en gros, ou aidez-moi. Donc ça c'était surtout utile parce que... Bah, quand on n'avait pas de casque ou quoi pour communiquer, je pense... Ah bah, à l'époque, il n'y avait pas Discord, allez, il y avait non. Messenger, à la limite. Bah, de toute façon, Discord, ça aurait été compliqué, vu que le jeu... Oui, non, mais bien sûr. Il est sorti que sur PlayStation 2. Bah oui, mais t'aurais pu avoir un Discord après, sur ton PC, tu vois ce que je veux dire. Oui. T'aurais pu communiquer via le PC. La storage room, là, on est... enfin, la clé, là, on n'est pas obligé de la prendre. Par contre, il faut que t'équipes ta barre de fer, là. Alors... Allons-y. Parce que c'est là où les corbeaux vont kikiner. Il y avait quoi de particulier dans la storage room? Rien de spécial? Il y a un spray si tu veux, un autre spray. Ouais, moi j'en ai déjà un, donc ok. Mais de ce que je me rappelle, je crois que c'était juste un spray. Donc là, je vais shooter les corbeaux à la barre de fer. Bah en gros, là on sort, et puis tu mets ton personnage vers le haut, tu le mets en joue, vers le haut, et puis... Tout de suite là? Ouais. Ok. Saleté! Ah, c'est... Mais c'est genre vraiment des saletés et ils sont impossibles ah à viser. Ah non, il y a un zombie qui s'est débarqué là. Ça va être compliqué. Où est-ce qu'il est zombie? Je ne l'ai pas. Non mais il y a la porte qui s'agite. Non. Non? Bah j'ai rêvé. Bon. Par contre, il y a un zombie qui va arriver à un moment sur notre... Garde ton barreau. Dans okay. La main. Tu... Est-ce qu'on va l'utiliser contre un morceau de... Tu de as la porte à bouge là. Ah la oui, bon on y va. Viens, suis-moi. On va l'utiliser contre un morceau de ferraille. On va devoir frapper un morceau de ferraille. Fais gaffe aux zombies, là, il y en a un. Okay. Il se déplace plutôt vite. Hein. Alors ça rame un peu. Ah putain. Attends, il faut qu'on s'en débarrasse. Je suis désolé, il faut qu'on s'en débarrasse. T'arrives à prendre ton flingue ou pas? Alors, bouge pas. Ah putain. Ah bah là, je peux pas bouger. C'est bon. Hop, je frappe deux fois et normalement c'est bon. Hop, on peut y aller. Je reprends la... Je garde le flingue ou je reprends la barre? Bah là, il n'y a plus besoin de la barre pour l'instant, donc tu peux garder ton okay. Flingue si tu veux. Ouais, mais moi d'ailleurs, je vais reprendre mon flingue aussi. Alors par contre, j'ai pas de munitions, j'ai que mes 15 balles. Hein. Alors là, en gros, bah c'est les flics qui nous appellent et on a 3 minutes pour aller en bas. Voilà. D'accord. Donc c'est, tout. Ah, si tu veux donc, c'est là où... en fait, on a... On va devoir pousser la voiture, en fait. On va devoir pousser bah, cette voiture-là contre laquelle il est, on va devoir la pousser au niveau de l'autre pour pas que les zombies viennent nous attaquer. Alors, je n'ai rien compris à comment il fallait sauter. Je crois qu'il faut appuyer deux fois sur rond. Une fois quand t'es au bout, il recule. Hop. Et je sais pas pourquoi il tombe. Alors, je ne sais pas quelle est la technique. Et après, j'appuie plein de fois sur rond pour me relever. Deux fois sur rond, ben moi ça fonctionne pas. Tu te mets sur rond au bord. Tu te mets sur rond au bord, il va reculer ouais. Automatiquement. Vas-y. Ah voilà. Oui, d'accord. Et après, je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'accord. Mais moi, normalement, je peux venir te récupérer, là. Je peux venir t'aider, en fait. Hop, la petite main au cul tranquille. Voilà, donc là, tu me suis, la porte, hop. Et on va devoir prendre un ascenseur, ici. Là, je l'appelle. Je sais pas s'il y a des trucs ici à prendre. Quelque part. Il y a une herbe rouge. Attends, du coup, je l'ai voilà. Pris l'ascenseur. Ouais, j'ai dû rentrer en même temps que toi. Alors, attention, là, il y a. Ça dépend visiblement, mais il y a un ou deux zombies dans ces couloirs-là. D'accord. Il y en a un qui sera sur notre droite et un qui sera en face de nous. Ouais. Oh, j'ai plus de munitions! Plus du tout? Non, faut que tu recharges! Mais alors, comment on recharge? Bah, start, et puis tu combines. Ça marche pas juste en tirant comme. Bah, ah oui, d'accord, j'ai deux flingues. Peut-être en mettant en joue et en faisant carré, j'en sais rien, mais. Mais tu allez, combines hop. Dans ton inventaire. C'est fait? C'est pas, fait. Je t'ai pas vu le flingue. Enfin, c'est pas fait, j'ai changé de flingue en fait, j'en avais un deuxième. Donc. Donc là, il faut qu'on aille pousser la voiture.
Oh, tu peux zapper la cinématique pareil, hein, c'est juste pom pom boum boum. Ouais, elle doit pas durer bien longtemps, j'ai bien envie de me replonger dans l'ambiance de l'époque. Oui, moi je suis comme ça, hein, je zappe les cinématiques. Plot, 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 plot. Ah là là. Il parle à la caméra, c'est rigolo. C'est vrai, c'est ça, ouais. Quel réalisme. On dirait les... C'était dans quoi le joueur du grenier là? C'est dans Police Quest où t'as le policier qui parle à la caméra comme si t'étais... Ça doit être dans celui-là, ouais, il y a des chances. Ah, c'est pas cette voiture-là qu'il faut pousser. Ouais, bon. Et puis Night Trap aussi, c'est pas Night Trap là où il y a les cambrioleurs qu'il faut que t'empêches de rentrer dans la maison. Oui, il est énorme cet épisode. Un peu la même chose, le mec qui faisait face à la caméra, c'est très très dérangeant. Alors, par contre, on empêche les zombies de passer, mais ils passent par la portière, ces cons-là. Alors, enfin, ils passent par en dessous de la voiture, pardon, ils passent pas par la portière. Ils étaient quand même relativement intelligents, si on tient compte de l'époque. Tiens, il y a un flingue là, je vais le prendre aussi. Hop. Et donc là, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bah, allez, fais gaffe, il y en a un derrière nous. Ah putain! Ah bah alors, pour moi il est invisible. Je t'ai vu te faire bouffer mais je ne vois pas le zombie. Et en fait il y a une porte ici mais il faut attendre que le flic vienne pour ouvrir la porte. D'accord. On peut rien faire. Merde. Je le vois pas moi le... Je te vois te faire bouffer mais je le vois pas. Il est invisible pour moi. C'est pas grave. Je vais utiliser le spray puis je vais aller rechercher l'autre qui est là-bas. Ah d'accord, il est apparu juste au moment ouais. Où il... Alors ils apparaissent de mon côté, alors je peux peut-être te le dire quand est-ce qu'ils arrivent. Alors là je suis pas à côté de toi par contre. Par contre ils sont pas morts là, et on les a pas achevés. Non. On voit qu'ils tressaillent encore un peu. Alors donc... j'en vois deux, il y en a un qui est à côté de toi là, de mon côté. Comme quoi RO2 Remake. Il y en a un à ta gauche. En sachant qu'en mode very hard hier, en une morsure on est déjà à terre. Hein. Ouais, à mon avis, faut pas utiliser trop de munitions, faut vraiment que le flic nous aide en tirant sur eux, parce qu'il les bousille assez vite. Mais je t'avoue ne pas comprendre s'il faut tous les buter ou attention, hein, là il y en a trois derrière toi. Ah ouais, mais j'ai plus de munitions là. Ah! Bah en fait, attends, c'est quoi ces munitions que j'ai? J'arrive pas à les. Ah bah t'as des munitions de flingue et t'as des munitions de 45, c'est ce que je disais, c'est celle de Marvin. Alors, ça c'est des munitions. Ton flingue de base, ça doit être. Si tu as le même personnage, en fait, si t'as le même setup que Marvin, tu dois avoir un flingue de 45mm et pas 9mm. Ah ok, reload, c'est ça qu'il faut faire dans le menu. Bah oui. Oui, reload ou combine, je sais. Oui, mais du coup, j'arrive pas à le faire in-game, quoi. Eh ben, si tu mets en joue et que tu fais carré, ça marche ben... pas. Bah alors là, je viens de le recharger, donc c'est sûr que ça va pas marcher, mais non, ça fonctionnait pas tout à l'heure. D'accord. Il y a peut-être un moyen. Hein. Là, je t'avoue ne pas être sûr, mais ça, c'est vrai que c'est chiant, surtout que le jeu se passe in-game, enfin, il se passe en temps réel quand t'es dans le menu pause, donc c'est un peu relou, ça. Oui. On voit que ça a été une idée reprise dans le remake, justement, quoi, ce... Le fait que naviguer dans le menu ce soit en temps de jeu réel. Ouais. Bah c'était la... Attends, c'était la même chose dans Resident Evil 5, hein. Oui, exact, c'est vrai. Alors j'ai pas regardé la solution sur internet, mais pour moi il faut tous les buter, hein. Là si je lui parle, ça fait rien. Si j'essaie de lui parler, non, je lui passe au travers. On peut les buter de l'autre côté. Alors attends, bah par contre je pensais aller frapper au sol là avec ma barre. C'est une bonne idée. Mais attends, ça a pas l'air de marcher. Ouais, ça a pas l'air de marcher. Il faudrait qu'il tombe une fois au sol. Ah voilà, ça s'est déclenché là. Same time in front of GS bar. Reste sur la... Vite, 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 dépêche-toi. Et prends l'herbe qui est de ton côté là, de ton côté. Non, bah si t'as de la place encore en fait. Non. Non, ok. Alors là, il faut aller. Il y avait des munitions aussi juste après. Et là, faut taper dans la porte. Le problème, c'est qu'il faut péter la porte. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des zombies qui arrivent derrière nous. Ah merde, à chaque fois, j'oublie qu'il faut faire rond. Ah bah elle est résistante cette porte hein.
elle est très résistante cette porte. Alors toi, est-ce que tu peux donner des coups de pied dedans? À condition que les zombies veuillent bien me lâcher la grappe. Alors moi j'en ai deux pour après. Attends, faut que je prenne mon spray là parce que sinon... Ah putain. Tu pourras reprendre de... Bah non, tu pourras pas prendre les herbes après s'il ouvre la porte. Je pense. Mais toi, t'es où, toi, du coup, là? Bah, je suis en arrière. Je suis à l'entrée, là. Mais parce que j'ai deux zombies qui me poursuivent. Ah ouais, d'accord. Très vite. Et le problème... On est mal. On est mal. Ah putain, il y en a encore un autre qui entre. Ils en ont après toi, je crois. Et je peux pas recharger, c'est ça le souci. Et je me fais toucher, c'est relou. Et il fait quoi le flic là? Il regarde la porte quoi. Ah non, moi il tire hein, dans la porte. Ah bah moi il l'a regardé. Ah bah quand même. Surtout que c'était une porte en bois quand même. Donc là, là il va mourir dans la cinématique. Il va falloir récupérer... Moi je vais aller récupérer le briquet sur lui. Toi il faut que t'ailles ouvrir la vanne du camion que tu vois derrière là-bas. D'accord. Voilà. Par contre après faut pas se trouver à côté du camion. Il faut revenir à l'entrée pour pouvoir allumer. Sinon on est trop proche du camion. Donc, ouais, en fait faut pas zapper les cinématiques parce qu'on voit... Je vais ouvrir ma vanne et qu'après je reviens à l'entrée. Ouais. Alors faudrait choper le fusil à pompe aussi si on... Alors... Non, toi tu veux ouvrir la vanne, moi je vais récupérer le briquet. Enfin oui, il faut que tu reviennes à l'entrée, sinon je t'explose peut-être. De toute façon, je vais être obligé de venir avec toi parce qu'il faut que je recharge. Ah merde, il y a un zombie qui apparaît. Ah non! Plus de mission! Ah, il y en a un qui... Ah oui, effectivement, qui arrive par en dessous. Ah putain, je suis blessé. Ah bah il course en plus hein. Ah, puis il met un temps pour recharger. Oh là là, il met un temps, mais alors? Bon, ça va, en général, en 3 balles, il tombe, déjà. J'ai du mal quand même. À me faire au truc, comme c'est la version japonaise, en fait, pour valider, c'est rond et non croix. Et c'est vrai que j'ai pas encore tout à fait le réflexe. Alors, attention. Normalement, là, ça devrait marcher. It's dangerous to the machin here. Je pense qu'il faut que tu viennes avec moi, là. Ah, je me fais bouffer. Ah, mais où est-ce qu'il faut l'utiliser? Ah non, j'ai encore plus de munitions. Ah, puis évidemment, je crois que je vais crever. Ah non, non, non. Non, c'est parce que tu as une blessure. Et quand t'as une blessure, tu rampes en fait. Et pour ça, normalement, tu as des... Mais enlève-toi de l'essence! Ah, moi aussi, il me dit que c'est trop dangereux. Alors, faut pas l'utiliser là, alors. Bah oui, mais non, mais il faut pas être sur l'essence si tu veux mettre feu à l'essence. Va complètement en dehors de l'essence. Ah, mais je vais mourir. Je suis en rouge là, je vais mourir. Est-ce que tu es sorti de l'essence ou pas? Je suis sorti, vas-y. Non, je suis pas sorti. Ah, mais t'es je en plein dedans! Poursuivre. T'es je en me fais poursuivre! Mais on s'en fiche! C'est bon, je suis sorti. Bon bah. Ah putain, ça y est, j'ai réussi. Slop. Alors lui, il est à côté du truc essence. Mais normalement, là, tu vas être à terre, je vais pouvoir te relever. Ouais, mais alors, t'as du soin, toi? Je sais plus. De toute façon, là, t'inquiète, y a plus rien pour l'instant. On va avoir de quoi se soigner. Juste, il faut que je te relève. Et je crois qu'au bout d'un moment, la blessure, elle se résorbe. Ah bon? T'es là? Ou t'es mort complètement? Je suis là, mais je viens de m'écrouler à terre. Où? T'es où? À l'entrée? T'es où? Bah, près de l'entrée. Bah, t'es dans le feu. Bah, ouais. Donc, t'es mort, là. Ah, bah, je crois qu'on peut considérer que ça va pas très fort, effectivement. On fait une petite coupe, hein, et puis on reprend à l'endroit où on a perdu l'air de rien.
On peut faire ça. Si jamais tu vois une petite plante verte, je suis intéressé. Alors, il y a une plante rouge, malheureusement. Ah. Tu peux la prendre peut-être au cas où. Il y a une bleue, oui, une rouge. Au cas où, oui. Je vais la prendre. Je vais les prendre. Donc, tu vas faire un mélange bleu-vert-rouge. Tout à fait. En admettant qu'on puisse le faire. D'ailleurs, je vois pas à quoi sert le bleu, parce qu'il n'y a pas de... Peut-être qu'il confère... On peut pas être empoisonné dans celui-là ? Bah pas pour l'instant, mais... Ah, il y a une rouge et une verte encore au bout. Alors peut-être que c'est comme dans Resident Evil 2, ça te donne une protection. Ouais, c'est possible. Voilà, ici, là, il y a une rouge et une verte, si tu veux. Et donc, Capcom ne s'est pas fait chier. Le studio de développement Cavia, quand ils ont fait Umbrella Chronicles, et bah Ada, en fait, il me semble que c'était dans ses égouts qu'elle se retrouvait au tout début de son scénario dans Umbrella Chronicles. Et elle allait dans l'Apple Inn en sortant des égouts, là, juste devant. D'accord, donc on reprend tel quel, comme ça, on s'emmerde pas. Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'était Umbrella Chronicles, hein. Ils avaient repris les assets de Resident Evil 0, 1, 4... Oui, 4, oui, je dis bien le 4. Et de Woodbreak, y'a rien ici, y'a juste une herbe bleue encore. Ah, tu vas voir, après on va se gaver niveau arme. Hein. Alors là, je sais pas ce qu'il y a à droite. J'ai pas trop observé hier. Là, c'est un ami, hein. C'est que des amis ici. Je crois qu'il faut juste leur parler en fait. Ah, y'a un truc au fond là-bas qui brille. Ah bah non, ils nous embarquent directement. Hein, dans Resident Evil 3 remake, on va voir un peu ce genre de scène là de population évacuée oui. Qu'on n'avait pas du tout dans l'original. In-game. Oh ! Des barrières en carton, en bois, mon dieu, nous ne pouvons plus je passer. Je ne peux pas passer. Ah bah non. Bah bien sûr, bien mais sûr. Oui, continuons à pied bien sûr, ne soyons pas bah protégés oui. Par un véhicule. Et je pense que ça serait mieux de se séparer d'ailleurs, parce que... Parce que, voilà, rester en groupe... Regarde comment on va se gaver, là. Il y a des munitions, du soin, et il y a trois fusils à pompe. Ok, alors... Moi, j'en ai déjà un. Et là, c'est quoi ça? Ah, non, revolver, t'as... pas mal. Ouais. Mais, alors, t'as pris les munitions... T'as lâché ton autre flingue? Oui. D'accord, donc moi, je vais... Bah ouais, parce que j'en ai... Si je vais prendre le revolver... Plus... Ah bah là, j'ai... Attends, parce que là j'ai des balles mais qui me servent à rien là. Là, du coup, ce qu'on a lâché, c'est. Tout s'est mis devant. Regarde, elles sont peut-être par terre là. Moi, tout ce que j'ai lâché, ça s'est mis devant le véhicule. Tiens, shotgun, allez hop, je vais prendre pour le fusil, c'est pas grave. Je pense que pour le magnum, il doit être puissant donc il doit peut-être pas y en avoir des masses. Mais là, t'as pris handgun. T'as pas pris shotgun, t'as pris handgun là, de ce que je vois dans ton menu. Là, t'as pris handgun. Bah non, j'ai le shotgun. Non, les balles. Magnum... Les balles, tu as pris handgun. Ah oui, merde. C'est shotgun qu'il faut prendre. C'est normal que t'arrêtes pas de tourner en rond. Oui, parce que je t'attends. Bah là, je suis bien là. Regarde mon inventaire, jette un coup d'œil, mais je pense que je suis ouais, bien. Ouais, t'as de la shotgun. T'en as 21. Bah j'en ai 21 aussi. Allez, c'est bon. Et bah puis je vais équiper... Alors moi je vais équiper mon shotgun tout de suite, hein, par contre. ZCZ. Donc là, on va aller dans la fameuse zone... Ils sont complètement irresponsables. On va aller dans la fameuse zone où il y a les deux morceaux de détonateur. Ah. Et du coup, bah en fait, moi, il va falloir que je lâche des trucs. Toi, il va devoir falloir... Si j'étais toi, c'est peut-être toi qui vas aller récupérer les morceaux de détonateur. Moi, je suis blindé niveau arme. Tu vas aller récupérer les morceaux de détonateur. Il y en a un qui est en gros sur la gauche et il y en a un qui est sur la droite au niveau d'un policier qui est mort. Eh bien, je vais essayer. Il faut que tu les combines, et après tu viens, il y a une mallette, vraiment pile au milieu, où il faut utiliser le détonateur, à côté de la mallette. Mais on va peut-être laisser la cinématique, on va peut-être le voir, là. Je ne me rappelle plus si on voit dedans. En gros, le scénario, il dure une demi-heure, hein, à deux. Ce qui est bien pour ce format un peu... De gameplay bah, c'est plus trop survival, quoi. C'est très très action, donc... Disons que c'est vraiment... il faut fuir, quoi. Bah, c'est plus c'est en mode Resident Evil 3, quoi.
Resident Evil 3, tu étais dans une pièce oui, c'est ça, et ouais. Tu sortais, quoi. Enfin, tu trouvais un objet qui te permettait très vite d'être utilisé, genre le briquet qu'il fallait utiliser sur la corde. Là, je crois que le gros, tu peux le débloquer. Je sais pas, mais What Should I Do, derrière toi, c'était vide, tu peux courir derrière. En fait, il y avait rien, il y a pas de zombie. Barre-toi, juste. Bon, n'oublie pas que Resident Evil, c'est de la série Z, hein. Bon, moi, je te protège. Ok, par contre, j'ai pas vu où étaient les détonateurs. Hein. Mais c'est pas grave, tu vas les trouver très vite. Mais tu seras obligé d'abandonner des trucs, hein. Tu seras obligé d'abandonner un spray ou je ne sais quoi. Ah oui, merde. Ah merde. Là, t'auras pas le choix. Il vaut mieux que je garde mes armes pour l'instant ? Bah, pour l'instant, oui, mais tu vas voir. Il y a des zombies et il y a des images 3D, des images 2D au bout. Regarde, là, il y a un truc, là. C'est un morceau de détonateur, je pense. Devant moi. Vas-y, vite, 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 avance, avance, avance ! Là, il y a un truc. Je suis censé aller où ? À gauche, à gauche ! Mais tu vois pas le truc qui brille, là, devant ? Reviens avec moi ! Là, tu vois pas le truc qui brille ? À tes pieds. Oui, il a vu les trucs qui brillent. qu'est-ce que je laisse? Bon, le spray, ok. Allez, viens, viens, viens avec moi, là. Tu me vois? Tu me vois? Viens avec moi. Viens, 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 viens. Continue, continue, c'est bon, vas-y. Oh, oui. Allez, là, il y a un truc au sol, normalement, qui brille quelque part. Voilà, à côté du flic. Ok. Oh, putain. Et là, tu fais quoi, maintenant? Assemble, assemble, assemble. C'est fait. Ah. Désolé, il faut que je rechange de flingue. Ah, le problème c'est que t'es blessé. Alors maintenant, faut qu'on aille à côté de la mallette. Qui est là-bas. Tu vois là où je tire? Regarde, il y a une mallette au sol. Ouais. Attends, je recharge, je recharge. Merde. Merde. Attention, il y a des mecs. Ah! Ah, j'ai plus de balles. Vas-y, là t'as deux doigts de l'utiliser, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon? Oui! C'est bon? Oui! Bah, désolé, hein, c'était un peu galère. Mais non! Voilà. Eh ben, c'est un beau travail de nettoyage. Je pense que la prochaine fois que je fais le ménage chez moi, je fais pareil. Je fous de la dynamite dans le sol, ce sera propre pour moi après. De hein. Toute façon, il va y avoir une petite bombe nucléaire incessamment sous peu, donc... On va dire qu'on a dégrossi. Voilà. Et ils étaient où tous ces flics là, pendant tout ce temps là? Je sais pas. Ah oui, du coup, moi je vois ma fin, mais toi tu vois ta fin. D'accord. On se voit pas ensemble, bah oui, c'est logique. Best, 2412 points, t'es à combien toi? 2484. Oh là là là. Les amis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de gameplay sur Resident Evil Outbreak. Bah oui, on va essayer de faire le chapitre 2 tant qu'à faire. Eh ben allez, on vous dit à bientôt. Salut ! Au revoir !